On apprend plus à chaque épisode sur chaque affaire, c'est incroyable. À la limite, j'ai même pas besoin de jouer, je laisse le jeu décider de ce qu'il va faire. Bonjour à tous, je suis Alice, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All, la deuxième partie du premier procès. On est ready, on est prêt. Elle m'avait pas passé la carte par contre, Landry. Tu viens juste de te dénoncer. Si tu le dis, allez, balance tout ce que tu veux que je le démonte. Impressionne-moi. Un instant, quelque chose ne va pas. Je vais trouver directement que je suis un fou. Oui, maman, j'ai compris. Maintenant, laisse-moi faire. Ah, c'est vrai que j'avais perdu des points de crédibilité. J'en crois pas un mot. Arrête de draguer, toi! On est dans un tribunal! La tomate n'est pas un fruit! C'est un légume! Tais-toi! Ah voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle est en train de se détruire! On insiste! Ben alors là, si même Hunter n'est pas au courant, je peux rien faire. Thank you.
Cela explique pourquoi il y avait un liquide étrange sur le putain, comment ça s'appelle? L'étude guitare, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. À moi. Ah, bah tout s'explique. Tout s'explique, c'est génial. Ah bah si, largement. Trop même. Oh, ah, ça a ramé. Ouais, le jeu a ramé. Ah, ça a tellement ramé. Ah là là, c'est mauvais. Pardon. Arrête de lire dans mes pensées, s'il te plaît, c'est personnel. Si je monte les tuyaux, j'imagine que je le... que ça va pas être ça. Réfléchissons. Non. Pif. Putain, c'était ça. Pifage absolu. Alors, est-ce que j'ai pas lu quelque chose? Parce que même moi, je comprends pas, j'ai piffé. On va relire, avant. Sur le dessus du couvercle. Ok. À l'intérieur, mais je fais pas de guitare, comment je pourrais savoir? Je ne connais rien au monde de la guitare, ça veut rien dire. Des instruments à cordes. Il est ouvert. D'abord. Il est ouvert. Où est la guitare de Billy? Ah bah il y aurait dû... Ah bah... Il y aurait dû avoir des morceaux dedans, évidemment. Ah, je suis con. Ah, je suis complètement débile. Bah, c'est ça. En gros, elle a volé la guitare de Billy. Même pas. Ah bah si, oui, évidemment. Bien sûr que si. Ah, je vais témoigner. Ah, je veux en savoir. Ah, mais trop. Ah, mais ouais. Je suis désespéré. Comme toi, des fois. J'ai tellement piffé sur la guitare. Ça, c'était tellement le piège. Ouais, alors moi je dis c'est n'importe quoi.
Ouais, ça peut te passer du coq à l'âne. Je suis sûr que tu connais. Réfléchissons un moment. C'est sur ce témoignage. Qu'est-ce qu'on pour... On pourrait cacher n'importe quoi dans un étui à guitare. La question de savoir quoi. C'était Johan Koleida, anciennement le soldat Billy. Il aurait soi-disant caché la note de suicide. Raté. C'est du pif. C'est complètement du pif. Bon, essayons autre chose. Je cherche là. Ça va durer un moment. Ok, j'ai peut-être une solution. C'est bon, j'ai une solution. J'ai trouvé. Je pense avoir trouvé. Je suis con. C'est tout. Je suis tout simplement con. Pardonnez-moi. Je suis désolé d'ailleurs. Élémentaire Watson. Et ouais, c'était stupide de ma part. Tellement con, putain. Et pourquoi? Ah, ça change tout. Mais c'est n'importe quoi. Et si je te disais que c'était un pur mensonge? Planté. C'est du foutage de gueule! Mais trop? Mais tellement? Comment t'expliques, s'il te plaît? Vas-y, explique-moi! Explique-moi, vas-y!
de remettre le gant pour prendre un verre. C'est quoi le plan stupide? Là, les lunettes qui cassent. Tellement bien fait ce jeu, tellement bien fait cette animation. Elle a une paire de rechange. Toujours avoir une paire de lunettes de le rechange. Je m'étonne. S'il n'y avait pas les guitares, mais autre chose. Les guitares rouges étaient d'une autre couleur, oui. Si tu veux. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'objectionne. Les preuves. C'est une très bonne question. Exactement comme non, vous foutez de ma gueule en fait, c'est ça. Elle contenait... Eh ah, tu veux le savoir. C'était extrêmement simple, elle contenait ceci. Le costume du samouraï. Prends soin de tes dents. Qu'est-ce que t'en lis? Non, c'est pas une... Oui, c'est une photo. Bravo, juge, tu m'impressionnes. J'ai vu héros sans S. Je l'ai vu pendant une demi-seconde, mais j'ai vu héros sans S. C'est pas bien Capcom France. Vous faites des fautes. Moi, insinuer? Non. Je prouve ce que je dis, monsieur. Attention. Pour porter le costume. C'est bête, mais c'est ça. Pourquoi? Travaille ma théorie. Exactement. Il y avait un témoin oculaire avec un appareil photo. Tout à fait, madame la juge. Monsieur le juge. Dans ce que tu veux, dans ta bouche ça veut dire quelque chose, dans ma tête ça veut dire autre chose. Je ne dirai rien. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Ah moi je dirais bien un double. C'est un costume de rechange, je sais pas, moi ça me semble évident. Perso ça me semble évident. Voilà. L'évidence même quoi. Essaye pas de m'embrouiller, t'es gentil.
Merci pour la question de merde. Je pense que c'est ça. Faut que j'aille voir un médecin. Je sais pas. Je dirais bien pour ça. Mais bien. Ah bah non. Bon bah ça veut dire en gros va te faire alors. Zut. C'est téléphone. J'aime me faire interrompre comme vous le voyez. Moi j'aime ça. Vas-y, je réfléchis comme je peux, hein. Se calme. Je te calme avec tes airs. Hâte de prendre tes grands airs. C'est bon. Oui, j'essaye, c'est bon. Calme. Je te calme. Alors. Non. Bande d'enfoirés. Exceptionnel. Landry, as-tu quelque chose à avouer? Exactement. Ça tombe sous le sens. Je ne sais pas, mais... Ouais, moi je me demande bien ce qu'il voulait révéler. Ouais, je pense bien. Exactement. Tu m'étonnes. Nous sommes des Ace Attorney. Ou des Capitaine Save, c'est comme tu veux. C'est incroyable. On a mis 25 minutes avant de trouver la réponse. Vous ! Ah mon dieu ! J'ai pas compris, je ne comprends pas. Comment cela? Donne-moi plus de révélations. On est dans la merde. Pourquoi faire? Pourquoi tu veux protéger une personne qui veut souffrir? Enfin, que tu veux faire souffrir d'ailleurs. Je dis que le schizophrène! C'est tout? Bah putain, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Hein? Contre-interrogatoire, s'il te plaît.
Chute dans le caca. Oui, je sais, merci. Elle dit des preuves. Quelque chose ne va pas. C'était passage dans le caca. Ok, alors je suis encore plus dans la merde, hein. C'est ça qu'il faut que j'attaque, je le sais. Mais bien sûr. Arrête de lire dans mes pensées. Mince, non, reviens. J'ai un doute. Il est où? Il est là. J'ai un doute là. Pif. Le pifage. Ouais, tu sais, étrangler si tu veux. C'est bien. Il y en a un qui suit. Exactement. Qu'est-ce que t'en dis? Ça veut dire que ton... Tu veux... Ça veut dire ce que ça veut dire. Oh, foutez-moi la paix. Ça change tout. Voilà. Pourquoi? Vas-y, explique-moi. Dis-le-moi. Il y a ma chaise qui est mal mise. Un dessin. Oui, alors les enfants, il n'y a pas de faute dans ce mot. C'est con. En plus, il y a en garde, hein. Tout le monde le sait, je sais pas, ça me semble obvious, quoi. C'était obviously. Le vrai assassin. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il était dégueulasse, n'est-ce pas? Bah moi j'y crois en fait, je connais des procès qui duraient une heure, c'était chiant. C'est roulement de tambour, parce que personne ne le savait. André à André. Oh là 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 là. Musique de l'épicness.
troisième brisage de lunettes. Il va falloir appeler Optique 2000. Je fais de la pub, quel respect. Quatrième brisage. Oh mon... tellement mal. Mais c'est évident, voyons. Il y avait quelque chose. C'était... bien sûr... le costume. Ça alors, personne ne s'en doutait. Ça y est, elle flippe. Elle flippe sa maman. J'ai pas dit ça. Ok. Serviette, pas des gants. Bon, bah, elle va payer ses lunettes extrêmement chères, en fait. Si paire de lunettes cassées, ça fait mal, au bout d'un moment. Ah ouais, quand même. On enfonce le clou. Non, je vais te détruire psychologiquement. J'allais dire physiquement, mais je pensais à autre chose. J'ai tellement persécuté psychologiquement qu'elle veut plus parler. Elle refuse de témoigner, c'est grave. Ah bon? D'où tu sors ça? Merde. Oh zut. Je suis pas sorti de l'auberge. J'aime sortir des expressions vieilles de 20 ans. Flashback. Je me souviens. Ah, Hunter, ça fait à peu près 5 minutes qu'on t'a pas entendu. On a un cours d'idée. Pas la même chose. Elle veut plus parler, qu'est-ce que je fasse? Explique, s'il te plaît. Ma main dans tes dents, ça va être direct, par contre. Mais si, je sais pourquoi, mais ça marche pas, la preuve. Vous me dites access denied. Zut alors, Maya va mourir. Mais pourquoi j'ai fait un instant, putain? C'est la merde! Ok!
Et voilà, j'ai ouvert ma bouche. J'ai complètement ouvert ma bouche. Ça alors, quel tournement de l'histoire, personne ne s'en doutait. J'ai rien compris. Je tiens à le dire. Alors, Hunter. Mon petit Hunter. Ça fait 40 minutes que j'essaye de faire en sorte que ce processus finisse. Et tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est de revenir sur un détail qui date du début. Je ne foutrais pas un peu de ma gueule, j'espère. On s'en fout, il m'énerve. Tu me fais chier, Hunter, tu le sais, ça. Comment dire ça en fait? C'est un énorme... Si c'est une mensonge... Mais c'est n'importe quoi. Non parce que... J'ai pas une mémoire de défense, c'est sûr, mais... Quand tu vois une personne avec un couteau... planté... Tu penses pas qu'il est évanoui? Logiquement... Enfin normalement quoi... Non mais, faut être raisonnable dans ce qu'on dit, madame les juges. Non mais... Ah mais il y a un couteau, normalement. Non mais non. Moi j'arrête, hein. C'est le bordel. C'est n'importe quoi. C'est complètement con. Musique de Pickness, le retour. Voilà. D'un homme blessé, voire mort. Ah, même lui, il le dit. Si lui le dit, alors... 7e paire de lunettes. Ah putain. Les opticiens vont être riches. Pétage de câble, c'est pas trop tôt. Non, femme vérité. Oui, s'il te plaît. De quoi j'ai tort? Pardon, excuse-moi. Y'a pas de parce que... Et voilà, on commence. Je déteste ce genre de personne, vous le savez. Est-ce que je viens de gagner?
Est-ce que je viens de finir le jeu? Ah oui, c'est vrai, tiens. On s'en fout. Rebondissement incroyable de Hunter. Que Hunter met son doigt et fait un signe en ouvrant les yeux avant de dire son texte. Tu viens d'économiser au moins 4 secondes de cinématique et de jeu par même occasion. Non, personne ne s'en doutait. Incroyable. Se renferme. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est évident. C'est tellement évident. Ce qu'on va faire, on va la forcer à parler. On va le forcer à l'ouvrir. Pour une fois. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je vais faire. Tu es mignon. Ah, bah, ça n'a pas marché. Voilà ce qu'on va faire. Ça me paraît évident, on va la forcer à l'ouvrir. Je suis un fou dans ma tête. Ah mon dieu, il va sortir une preuve! Ah mon dieu! Le salaud! Retournement de situation numéro 3. Avec la remix de la musique de Epicness. Qui est encore plus Epicness. Moi je m'en fous, je dis rien. Oh, ça me manque de respect. Perso, j'aurais fait pareil. C'est un tort de l'amour, du respect, dire que je l'ai envoyé chier il y a à peine quelques minutes. Parle. Et on verra après.
Youhou! Elle parle. Une musique triste. J'en étais sûr. Je peux rien faire, je peux pas présenter de preuves, rien du tout. C'est con, mais on l'a dit il y a 5 minutes à peu près. Monsieur le juge, tu suis. Mon dieu! Oh là là! Mais j'ai pas de preuves en fait. La dernière fois, comment cela? Donc t'es en train de me dire que je suis en train de protéger quelqu'un pour Deir et Maya, qui est en fait le vrai meurtrier. J'appelle ça de la manipulation. C'est très mauvais. C'est pas bien d'ailleurs. Oui, monsieur, bien, monsieur. J'en crois pas un mot. Un couteau, nom de Dieu. Et l'état de la pièce, oui, aussi. Mais un couteau. Forgé dans le sang et la vengeance. Ah bah moi je peux rien faire, je peux que attaquer là. Ça a dû te faire mal de poignarder quelqu'un que tu apprécies. Je vais pas dire autre chose. L'illumination. Y a pas à dire, les gens, il faut pas croire ce qu'elles sont. Elles cachent leur vraie nature. Et c'est ça qu'on aime. Un problème? Genre, quel problème? Ça devait être Eva. Ah, ça devait être la chouette. Et c'est pour ça le costume. C'est un plan complexe. Ah bah oui, évidemment.
Bien, je pense que c'est fini, j'en ai marre. Dans le Hakama, s'il te plaît. Francisca, tu es méchante. Je jure solennellement devant tout le monde que je briserai une fois pour toutes les 20 karmas jusqu'à la dernière lignée, enfin jusqu'à la première génération. Oui, mais tu vois, les 20 karmas, c'est des cons. Tiens, tu vois, Hunter, c'est un pseudo 20 karma, et ben il fait des trucs, ça marche pas trop. J'ai dû le sortir de la merde. Voilà, on va pas se manquer, Grunter. Ta méthode marche pas. Même Monsieur Von Karma, eh ben il a perdu. Il a été même coupable. S'il te plaît. Ouais. Ah zut. Dans le caca. Bon bah Maya va mourir. Maya est morte, c'est bon, on s'en fout. Ça me fait un perso secondaire le monde. Je m'en fous, j'ai perle. Plus utile que même. Deux ou trois fois plus utile que Maya. Oh mon dieu, quelle animation incroyable. Ah, le public a disparu. Le juge s'est cassé. Magnifique, magnifique chaise d'ailleurs. Une animation qu'on n'a jamais vue! Trop bien! Là, ça vaut le screenshot! Oh, je veux les screenshots! Magnifique! Animation de fou! Il n'y a pas les larmes. C'est mal fait! Je tiens à le dire! Tout converge vers cette carte. Dans cette pièce. Cette pièce, ce jour-là. Oui, ça aide pas. Une carte d'un côté d'un corps. Pourquoi? Et si tout était à partir de cette carte? Moi j'en suis sûr. Ah j'en suis tellement sûr. Tiens Hunter. Oula Hunter, calme-toi! Calme-toi! Pose ce flingue! Bon oui ma'am, vous voyez la magnifique maintenance AVG qui vient d'être faite. C'est magnifique. J'en ai compris maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Hunter? Calme-toi! Pose ses mains! Pose ce flingue par terre! Quand je disais, cette carte était importante. Tu voudrais bien le savoir, hein? Eh ben, tu le sauras pas. Parce que le jeu a dit que... Va-te. Quand je disais que cette carte était importante, je ne mentais pas, j'en étais sûr. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode qui aura duré encore une bonne heure. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner pour la suite, de regarder toutes les autres affaires. Bon, alors, il n'y a que le 1, le 2, les films que j'ai fait. Les autres vidéos, Twitter, like, commentaire. Bon jeu. Et à la prochaine.